Mbote, mbote, bande konangai, ba congolais, congolaise, ba oyonyon sotou, bazali ko kambama na mobeko likonzi oyo. En tout cas, je vous dis merci, vous tous qui nous suivez ici à Mokolo Télévision. D'ailleurs, Mokolo Télévision qui va changer de nom. Je suis très très content, très ravi de revenir vers vous avec cette spéciale émission intitulée aussi spéciale CENI parce que les choses tournent et tournent vite. Les choses tournent et elles tournent vite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre chairman, notre boss qui va devenir président de la République ses carottes sont cuites. Les carottes de M. Katumbi sont cuites. Ezama wapona vienanga Ambongo, le cardinal, avec toute sa pléiade qui était derrière M. Katumbi, ça tourne mal. Ça tourne mal. Ça tourne mal, comme je vous avais déjà lu quelques articles sur le Parlement, sur le fonctionnement du Parlement, de nos assemblées, parce qu'il y en a deux, nationales et provinciales, sur le Sénat, sur la présidence, et aussi sur la CENI. Il va falloir que je porte mes lunettes. Vous savez, je me retrouve pas bien quand je lis sans lunettes. La CENI. Pas plus longtemps, je vous avais fait une émission ici pour vous montrer les conditions pour déposer ou postuler en qualité conseiller communal, député, sénateur, gouverneur et président. La CENI a donné, quelques conditions. Qui se rapproche de la proposition de M. Tchani, de père et de mère. Et ces conditions-là, nous les voyons dans presque tous les pays. Aux États-Unis, parce que vous aimez tout le temps États-Unis, États-Unis. Même ici à Paris, quand tu veux donner un exemple, tu dis à New York. New York est côté la parisien et côté la français dans nos conditions de Kamusus. Bon, aux États-Unis par exemple, leur constitution stipule que celui qui peut devenir président de la République ne peut devenir président de la République que celui qui a été, qui est né sur le sol américain. Au gros, à la des souches. Mais si tu n'es pas né sur le sol américain,
makamunayo ekotambolate. Pour toi, c'est pas la peine. On a vu ça avec Barack Obama. Trump, quand il est arrivé, il a dit Obama n'était pas américain. Pourquoi? Parce que il pensait que Obama était né en dehors du sol, du territoire américain. Voilà. C'est ainsi que Obama s'est permis de sortir son certificat de naissance. Alors, chez nous, en RDC, il y a des conditions pour postuler. C'est à partir de ces conditions-là que la candidature de M. Katumbi a été rejetée par la CENI, pas par la présidence, pas par le ministre, le vice, le VPM, ministre de l'Intérieur, Kazadi Peter, non. Pas par le ministre des Finances, parce que c'est un autre Kazadi, non. Ça a été rejeté par l'organe central qui organise les élections. Parce que cet organe-là avait donné les conditions, parmi lesquelles M. Katumbi n'a pas fourni de preuves. Par exemple, la CENI a demandé à ce que l'acte de nationalité, l'acte de naissance, pas de nationalité, l'acte de naissance soit fourni en photocopie et en original. Si vous apportez l'acte de naissance en photocopie, on vous dit non, il faut en photocopie et en original. L'équipe de M. Katumbi s'est présentée hier, mardi. Oh, non. Qu'est-ce que je raconte? S'est présenté aujourd'hui, mardi. Aujourd'hui. Vous savez que moi, je suis lié aux élections. Donc, tout ce qui se passe dans cette maison-là, je les reçois à la minute près. Alors, l'équipe qui devrait déposer la candidature de M. Katumbi se présente aujourd'hui et on constate qu'il n'y a que des photocopies. Oui, c'est vrai, vous avez l'acte de naissance, mais nous voulons la copie originale. Ça a créé... On a dépêché des gens vite fait à Lubumbashi pour aller chercher. Papa, vous racontez des choses sérieuses, mais vous rigolez. Je rigole, mais c'est naturel. C'est naturel, en fait. Alors, l'équipe de Katumbi s'est vue refuser le dépôt de la candidature de leur chef. Pourquoi? Parce que la constitution, le règlement d'ordre intérieur de la CENI n'était pas rempli. Aïe, 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 aïe. Je pense que M. Tchani, là où il est, il tressaillit. Hein? Il bouge. Il bouge pas pour manger un bon repas midi, comme il est midi. Non, il bouge parce que ce qu'il avait demandé, ce qu'il avait pressenti, est en train de sortir. Ici sur ce plateau de Mukulu Télévision, je vous ai lu les conditions pour pouvoir postuler en tant que député
en qualité de président. Je vous ai tout lu. Faut être de nationalité congolaise, il faut avoir l'acte de naissance, il faut avoir le diplôme ou l'équivalent prouvant les 5 années dans la politique. Donc, tout ça, je vous ai lu tout ça ici. Et voilà aujourd'hui l'équipe de notre cher Man Katou. Il y en a d'autres qui l'ont appelé depuis. Le futur président. Futur président. Hein? Non, il y en a qui rigolent beaucoup dans notre pays. Il y en a qui rigolent beaucoup, beaucoup dans notre pays. Je vais revenir sur l'article 68. L'article 68, paragraphe premier, du président de la République. Ça nous ramène directement à l'article 69. Du pouvoir exécutif. Pouvoir au Katumbi Agoluka. Le pouvoir que M. Katumbi cherche, c'est celui-là. Paragraphe premier. Du président de la République. Article premier. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Point. Toi, tu vas prendre le pays et tu vas donner à un monsieur comme Katumbi, qui a utilisé 3 montagnes. Qui devraient être exploités pendant 40 ans. Lui, il les a utilisés, il les a fait utiliser. Il les a utilisés en 3 ans. Il a acheté ces montagnes-là à 6 millions et il a revendu ça à 95 millions, 95 millions. Au bout d'un an. Troisième année, tout était fini. Et vous connaissez la société de Katumbi, comment ça s'appelait? Hakuna Matata. Tu vas prendre le pays, tu vas donner à quelqu'un qui n'a pas l'amour . Je vais vous dire un truc. Monsieur Katumbi a fait beaucoup, beaucoup, alors beaucoup. C'est lui-même qui l'a dit dans cette émission-là où il parlait de son père qui faisait des poissons. Alors, il a fait beaucoup de bénéfices dans ce pays-là, dans notre pays. Et ce monsieur-là s'est permis d'offrir à une chambre mortuaire, à une pompe funèbre, à un hôpital, 2 camions corbillards. Andegonangai, moi j'ai toujours suivi mon frère Kadiombo, mon grand frère Kadiombo.
Il faut que nous puissions voter des gens qui connaissent la misère de notre pays, qui connaissent la souffrance de la basse classe, pas la moyenne, la basse. Nous avons tellement de minéraux dans ce pays que nous ne pouvons pas pleurer ou pleurnicher chez le voisin. La RDC a vu tous ses enfants, tous ses fils partir en exil à cause de la misère. Il faut suivre les médias internationaux. Suivez les médias internationaux. On vous dit que les Congolais, ils ont tout. Pourquoi ils sont ici en Europe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Est-ce qu'ils ont tout chez eux? Un président de la République, quand il est choisi, quand il est élu, pardon, il veille d'abord au respect de la Constitution. Lui, il n'a pas respecté la Constitution. Qu'est-ce qui vous prouve que lorsqu'il sera président, il va respecter la Constitution, mais il va chier dedans? Disons-moi le terme. Il va péter là-dessus. Il va tout vendre. Même les chariots, il va vendre tout. Mais Dieu merci, il cherchait les élections. Et voilà qu'il produise des papiers. Le fils de maman Marthe. Non, c'est un garçon surdoué. Mon vieux Mouzito a dit, c'est un garçon gentil et sage. Sage, quand il dit sage, c'est-à-dire intelligent. Sagesse. Le garçon de maman Marthe est tellement sage qu'il savait que Katumbi sera coincé là-bas. Ce n'est pas moi, oh. Oh, tu sais que le président. Tu sais qu'il a refusé que je puisse. Non, laissez-le! Laissez tout le monde! Il savait. Quand Fayoulou faisait la déclaration comme quoi il ne va pas participer aux élections, tu sais qu'il rigolait. Ils étaient des amis, des vrais. Ils étaient des vrais. Et maintenant que Fayoulou a compris que Katumbi est coincé, Fayoulou revient vite. Il supplie Kadima, président de la CENI. Mon frère, tu sais, moi j'ai aussi mangé dans la main de papa Étienne Tshisekedi. Je suis aussi Louba quelque part. J'ai vu les Loubas manger, j'ai vu les Loubas dormir, j'ai vu les Loubas rentrer en prison, j'ai vu les Loubas partout. Alors, je viens vers toi, aie pitié de moi et recommence le. Il demande la dérogation pour que ces gens puissent postuler en qualité de député national. Parce que comment tu vas régner, tu n'as pas aucun député. Aucun. Kadima lui dit, ce n'est pas la peine, mon frère. Mon vieux, ce n'est pas la peine. Puisque Fayoulou est plus âgé que le droit de naissance. Hein. Il était né en Dili. Alors, Kadima lui dit tout sagement, ce n'est pas la peine, puisque tout a été fermé. Tout est fermé. Fais comme ton mentor Tshisekedi dit en 2006. Hein? Eh oui. Lorsque Tshisekedi dit, lorsque Katumbi disait que je voulais des élections, il pensait que les choses étaient faciles. Il pensait que les choses étaient faciles. Ah, on va me faire ça, comme ça, les médias internationaux que je soutiens, comme ça, les États-Unis, la France, la Belgique vont se mettre debout, ils vont crier, 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 et puis tout le monde va comprendre que Tshisekedi est un dictateur, il n'a pas respecté
les engagements, il n'a pas fait ceci, cela, il n'a pas laissé Katumbi postuler. Et il avait oublié qu'il avait des problèmes de nationalité. C'est bien bon, hein? C'est bien bon de dire, je suis juif, mon père a été enterré en Israël, mon père était venu ici, il avait une femme noire à l'époque, mon père... Mais ton père peut être, ne peut pas être raciste, mais toi tu peux l'être. Oui. Tous ces gens, tous les racistes qu'on voit en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, leur père, peut-être ne les était pas, hein. Katumbi est coincé. Il n'a pas des originaux. Tout comme il n'a pas la vérité sur la mort, l'assassinat de M. Okende, pour lequel il a remplacé vite fait. Tout ce qui se passe dans son ensemble, dans son parti politique ensemble, moi je suis très très content avec les frères Ndala, député Safou, je suis très très ravi moi. Je suis très très ravi. Ravi aussi pour la proposition de la loi Tchani. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir président en France. Tu peux bien postuler, on te regarde. Ouais, j'ai tout ce qui est, je suis né à Paris, je suis ceci, cela, j'ai. On te regarde, on te regarde, on te dit. Ils se disent, c'est pas les États-Unis ici, hein. Ce n'est pas tout le monde qui peut veiller au respect de la Constitution telle que je l'ai lue ici. Bientôt les élections législatives, présidentielles. Donc, il faut que tu regardes qui tu votes. Regarde à Mbujimayi là-bas. La misère qui est à Mbujimayi. Les gens regardent. Depuis la colonisation, il y a des quartiers... les enfants naissent, ils n'ont jamais vu un train. Un métro. Jamais, jamais vu. Donc, si Tshisekedi fait ça, ah, il le fait parce que c'est chez lui. Mais il n'y a pas de député qui plaide. On avait un budget de 4 milliards. Un budget de 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, Tshisekedi a ramené le budget jusqu'à 16 milliards. Mais où sont les députés qui plaident pour le budget de la province du Kasaï? Ils dorment. Voilà pourquoi il faut les sanctionner par votre vote, par mon vote. Nous avons des gens qui peuvent plaider, défendre, chercher la bonne vie, la meilleure vie de Kassayan. Faites attention à ce monsieur Katumbi. Il avait dit qu'il ferait de Katanga le Pretoria, le Cape Town, mais quand il a pris le pouvoir au Katanga, il n'a rien fait. Il a des milliards de dollars dans des banques étrangères. Comment tu le sais? Oui, je le sais. Oui, je le sais. Il part à Matadi là-bas. Il dit, je dois faire de cette province. Non, non, c'est un petit... Non, c'est un petit démagogue. Je dois faire de la province du Bas-Congo la plus meilleure. Vous ne pouvez pas souffrir comme ça.
avec Tshisekedi, vous souffrez. Est-ce que Tshisekedi est arrivé quand? Non, mais attendez. Merci, cher Kadima Kazadi Denis. Parce que si la CENI avait interdit M. Katumbi de ne pas postuler, venez postuler. Venez, on regarde. Non, ce n'est pas ça. On n'attend pas ça. Allez-y chercher, allez-y. Il y a encore du temps. Allez-y. Le groupe de Katumbi est rentré à Lubumbashi pour aller prendre des originaux. Mais qui est ce groupe-là? Qu'est-ce que cette marmaille de gens qui peuvent aller postuler au poste du président du président de la République sans les originaux? Donc, ils connaissent ce que c'est Monsieur Katumbi. Comment ça se fait que lui, Monsieur Katumbi, peut prendre son dossier et confier aux gens alors qu'il n'a pas donné des originaux? Ce n'est pas pour un poste de commissaire des zones, hein. C'est la présidence. Ce n'est pas pour aller enterrer quelqu'un au cimetière, il faut un certificat. Non. C'est la présidence. Les duos protestants catholiques qui suivaient M. Katumbi derrière, je pense que il est KO, ces duos-là. Katumbi est coincé. Moi, ça me réjouit puisque Tchania a souffert, il a parlé, il a expliqué. Les Français qui pratiquent déjà la loi Tchani, la proposition de la loi Tchani, elle est ici. Pour faire l'armée, il faut que tu sois français. Tu n'es pas français, tu ne peux pas faire l'armée. Ici en France, en Turquie, pareil. En Tanzanie, pareil. Maman Jeannette l'avait bien souligné. Nous avions pris la nationalité tanzanienne pour participer à la formation militaire. Vous voyez, en Tanzanie. Mais la France s'oppose à ce que cette proposition de loi soit programmée à l'Assemblée nationale congolaise. Vous voyez? Vous voyez combien on est traité? Et quand les gens fuient la dictature et ils viennent à Paris, en France, Paris leur dit, ah non, vous n'êtes pas de vrais réfugiés, vous devez retourner chez vous. J'ai suivi une émission ici, CNews. C'est pas possible. Aimons Félix Tshisekedi Tshilombo. Aimons notre pays. Aimer notre pays, c'est respecter la Constitution. Tu vas postuler et tu prends des photocopies. C'est comme s'il allait acheter du sucre en Zambie, là où son fils est député. Hein? C'est comme si Katumbi allait chercher du sucre là-bas, hein? Avec un chèque en photocopie. Mes chers amis, comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion, comprenez pourquoi j'ai la voix montée. Ce n'est pas parce que Katumbi a déposé sa candidature, mais parce qu'il a échoué. Parce qu'il a échoué, tout simplement. Le gars a dépensé de l'argent auprès des journalistes congolais pour qu'ils soient soutenus, les journalistes internationaux pour qu'ils soient soutenus. Mais c'est très difficile de dépenser de l'argent à la CENI. Et surtout chez qui? Chez Monsieur Kadima. Non. Tu reviendras comme ton frère Fayoul. Papa Koti Sangata. Non. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Beaucoup de TV va changer d'appellation.
Au revoir. BM Chanel. BM Chanel.